Dimanche, environ 6 500 coureurs prendront le départ de la route du Louvre liant Lens à Lille. Cette course symbolise avant tout le rapprochement de deux territoires, une façon de fédérer les sportifs de la région. Parmi eux se trouve Bruno Zélec, devenu aveugle suite à une maladie. L'homme va parcourir les 42 kilomètres liant Lille et Lens. Son objectif, terminer la course et prouver que malgré son handicap, il est capable de relever ce défi sportif. Ce challenge est aussi une façon de rendre hommage à un de ses amis décédés à la suite d'une grave maladie. Nos journalistes Maëva Lasserve et Robin Varier ont rencontré le sportif pendant une séance d'entraînement. Je vous propose d'écouter ses propos. Je ne chercherai pas à faire un temps. Moi, mon but, c'est vraiment de passer la ligne d'arrivée et de rendre un hommage à mon ami et aussi ouvrir la porte aux personnes qui sont dans la même situation que moi, donc aussi bien malades et handicapés, et leur montrer qu'on a beau être malvoyant, on a beau être aveugle ou porter d'autres maladies, on est capable quand même de faire quand même pas mal de grandes choses. Et moi, je suis là pour leur prouver, pour leur montrer qu'on est capable de réussir quoi qu'il arrive.